Je m'appelle Güzel Tecibaeva, je suis médecin, enseignante de la méthode de Norbekov. C'est une méthode de l'auto-rétablissement de la santé physique et émotionnelle. La méthode de Norbekov existe plus de 30 ans. Et pendant tous ces ans, il y a plusieurs millions de gens, personnes, qui ont rétabli leur santé. Mais pas seulement la santé physique. Dans l'humain, il existe quatre parties. Une partie, la partie mentale. Une autre, c'est notre esprit. La troisième, c'est notre âme. Et la quatrième, c'est notre corps. Nous travaillons avec toutes ces parties. En Orient, on dit qu'il y a des maladies qui ont comme une cause seulement les facteurs agressifs. Il y a toujours les conditions correspondantes. C'est le mode de vie de personne, c'est le mode de réagir émotionnel, un manque de mouvement ou peut-être le défaut de repos ou du sommeil. C'est toujours un mode de vie et les traits de caractère, un état émotionnel qui forme une base où la maladie dont ses racines pousse ses racines. Et c'est pourquoi pendant le cours, qui dure 9 jours, nous nous occupons pas seulement avec le corps, mais nous nous occupons des traits de caractère, des objectifs de personne, de son état émotionnel. L'objectif principal du cours, ce n'est pas seulement rétablir la santé, mais de devenir une personne réalisée dans la vie. Pour être heureux, il n'est pas suffi d'être en bonne santé. Il faut que tous mes désirs intérieurs, toutes mes aspirations se réalisent dans ma vie. Mais malheureusement, chez les personnes qui ont les maladies chroniques, ils perdent leurs aspirations, ils perdent leurs rêves. Un mode de vie commence à correspondre à leur maladie. C'est pourquoi pendant le cours, nous travaillons avec les traits de caractère et avec le mode de vie des gens. Ce sont les gens qui créent les nouvelles habitudes, les gens qui se sentent réalisés. Cela leur donne une bonne plateforme pour leur santé physique et la santé mentale et leur santé émotionnelle. La méthode se base sur les 10 principes. Le premier principe, c'est le travail avec le corps. Nous faisons une gymnastique avec des articulations et avec une colonne vertébrale. Seulement cette gymnastique peut donner les résultats pour les 80% des maladies chroniques. Quand la colonne vertébrale prend sa posture ou obtient sa posture, cela revient des organes intérieurs sur sa bonne position dans le corps et améliore sa nutrition, la circulation du sang. Grâce à cette gymnastique, s'améliore et le vœu aussi. Une autre direction du travail, c'est le travail avec des émotions. Tous les états que nous avons vécus, les blessures, des pertes, défense, de solitude, de jugement, tous les états qui nous avons fait sentir blessés, ils sont restés dans notre corps physique comme les sensations physiques. Et notre objectif de changer cette sensation physique pour se libérer. Je peux dire que c'est un travail avec une âme, avec des états profonds, mais tous les états de l'âme, toutes les émotions, ils sont liés avec le corps. Et ce n'est pas suffi de travailler seulement avec cette raison, avec cette situation qui est passée sur le niveau de raison ou le niveau de mental. Il faut obligatoirement de travailler avec ces sensations physiques. Parfois, des gens ont déjà changé sa vision de cette situation sur le niveau mental, mais leur corps souffre. C'est pourquoi il faut travailler avec cette empreinte. Et cela nous donne la libération. C'est un exercice de pardon qui nous libère de cet état douloureux.
notre direction du travail, c'est le rétablissement des organes de sens. Le vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et les sensations kinesthésiques. Nous faisons chaque jour un exercice pour les yeux et les exercices pour le repos des yeux, pour les relâcher, pour le relâchement des yeux, grâce à lesquels le vue rétablisse. La vitesse de rétablissement de vue, c'est environ 4 jours pour 1 dioptrie. C'est-à-dire pendant le cours de 9 jours, c'est possible de rétablir une ou une et demie dioptrie. Et maintenant, nous revenons vers le corps, vers des organes intimes et des problèmes gynécologiques et urologiques. Quand des organes, des muscles, n'ont pas leur dose de mouvement, la circulation de sang se ralentit. Et les muscles ne se nourrissent bien, c'est-à-dire et la circulation de lymphe devient lente aussi. Et les toxines, les déchets s'accumulent dans le lymphe et cela devient un bon terrain pour des maladies. Et le massage gynécologique, automassage, sans contact, pour les femmes, nous l'appelons gynécologique, pour les hommes, urologique. En effet, c'est un massage des organes intimes. Il améliore la circulation dans cette zone. Ce massage est positif et donne ses résultats dans le cas de fibromyome chez les femmes, des mastopathies, des maladies de thyroïde, des inflammations chroniques ou des varices. Dans le cas de prostatite chronique chez des hommes. En plus de ces effets, il rajeunit tout l'organisme sur le niveau cellulaire et améliore le vue aussi.